Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Et donc les amis, aujourd'hui on va tout simplement découvrir les nouvelles régions, comme vous pouvez le voir. Donc ici on aura la région des Piaf. Ici on aura la région, on dirait, non, les auras c'est beaucoup plus bas. Non, c'est ici les auras, pardon. Ici on aura les Gorons. Et ici, on aura les Gerudo. Alors, en fait, on va tout simplement commencer par aller aux auras, ici. Au Piaf, pardon, parce que l'aventure nous dit d'aller là. Sauf qu'il y a beaucoup de chemins à parcourir. Et on risque de mourir, hein, durant cette expédition. Mais bref, si c'est pour la science, il est question de se mouiller. Bien, donc bah on est parti. Bon, ça va durer pas mal de temps, je pense. C'est qui ça? Je l'ai pas vu ça. Un Piaf. Attends. Ah. Ok. Le premier vol depuis une tour de reconnaissance, dit. C'est un événement historique. Dis-moi, c'est quoi ton petit? Pink, c'est bien ça. Eh, mais attends, voir. Tu savais que... Tu t'appelles pareil que l'autre type, là. Tu sais, celui avec l'épée. Oh. Moi, c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Pen, je sais pas comment ça se dit. Pen, on va dire. Je travaille pour la Gazette des Bouets. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, je vais écrire un article du tonnerre. T'as intérêt à lire. Bon, c'est pas tout, mais je dois filer. On est en sous-effectif, alors je passe mon temps à voler de droite à gauche. D'ailleurs, ça nous ferait pas de mal, d'avoir un petit jeune homme de ta trempe dans l'équipe. Ah. Un petit jeune dans l'équipe. Si jamais ça t'intéresse, notre bureau se trouve en Ebra, au nord-ouest d'ici, près du pont qui mène au village Piaf. Passe donc nous voir. Bien, sur ce, bon vent! Ouais, tant mieux. Pourtant, c'est là où on va, hein. En Ebra. Et on voit la tour qui s'illumine là-bas. Oui. Oula. Ça sera pas facile, hein, pour y aller. Oula. Après, on enchaînera sur les auras après. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. Là, vraiment, j'ai envie de tourner un bon épisode. Du coup, il va durer assez longtemps. Je sais que vous aimez... vous avez des épisodes longs. Voilà. Vous voyez bien galérer. Du coup, bah, ce sera un épisode long. Voilà. C'est gentil, là. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Je sais pas, parce que... Ça fait chaud. Hein? Non. Alors. Ah, okay. Alors, on est tout droit. Allons-y, c'est tout droit. Voilà. Et quand je vois ces structures là. Je crois que j'ai vu un sanctuaire pas très loin. Je crois que j'ai vu, il est pas loin du tout. Ça va prendre de la hauteur. Ah oui, il est là. On va le faire, c'est sur le chemin. Ça va vite par contre le temps, regardez la lune comme elle s'en va. Je crois que c'est tous les 4 jours. 4 ou 3 jours non. Il y a un reset. Je crois, hein, je suis pas sûr. On va se faire un sanctuaire. Quoi qu'il y en a moins, à mon avis, il y en a moins. Je sais pas, hein, c'est une supposition. À mon avis, il y en a moins.
structure. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah! C'est quoi ça avec ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Quoi ça? Mais c'est le monstre. Il disait qu'en agréant, ouais. Il décore au goût. Et oiseau. Et d'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce bordel là? Et maintenant les arbres ils attaquent maintenant. Bah si, ça t'en est un ça. Attends. Non, ça va. Allez, du Mont Gustave. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est par là. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est un courroux ça. Ah, c'est quoi c'était quoi cet arbre là? Il est où ce sanctuaire? Ouais, par là, on a vu. Ah bah, il y a un relais. On l'a vu. Bah, voilà, bah, j'ai perdu mon chemin. Ah, il est là. Ok. Mais par contre, il est bien haut. Hein. Il est bien haut. Hop. Attends, c'est pas des plats tout de suite là à passer. Attaque de feu. Non, c'est plus. Ah tiens, j'achète un peu de manger. Essayer de le faire. Non, 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 non. Non. De toute façon, il peut pas m'atteindre. Sanctuaire, il ne que ça. On va le faire. Ça fait un point de téléportation. Et balise de la carte. Vous pouvez placer des balises pour ça aussi. Ouais. Puissance éolienne. Oh, il faudra faire du vent. On s'en va vite. Alors, on a un truc. Ok. Et il faudra faire quelque chose avec ce truc. Petite éolienne, voilà. Waouh, je fais du vent. À mon avis. Ah, stop, stop. Pourquoi là, c'est qu'on s'appelle la batterie? Bizarre. À mon avis. Non! Ah, ça, c'est le mauvais. Là. On va se mettre ici. À mon avis, c'est ça. On va poser comme ça. Monter dessus. Mais monte dessus! On va monter dessus? Ah si. Ah! Après, c'est pas possible ça. Ça, c'est une blague. Attends. Monte. Merci. Non, monte! C'est une blague. Avec la paravoile. Voilà. Pourquoi on va t'éteindre? Ah, mais c'est pour ça qu'il consomme pas de batterie. Ah, tant mieux. Allez. On réfléchit. Là, il y a de l'eau.
Ok. À mon avis, il faut faire un. Oui, je vois que ça, hein, ton avis. Arrête doucement. Pour l'instant, ça va pas chercher très loin. Hein. Oh non, non, non. Ah, moi, j'ai une petite liste. Pareil. Là, je sens. Celle-ci, pareil. Oh, ça y est, qui arrive. On va le mettre. On va le mettre. J'ai dur, c'est vrai qu'il a été il est surpris en train de se connecter. Coupe. Boum. Voilà, il faut y tomber en plus. On va aller recoller. Ok. Ces omnivores ne se contentent pas de régaler de viande. Les fruits ont également leur faveur. La saveur ou leur faveur? Bah, j'ai mal vu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un campement. Ok. Bon, c'était le. Allez, on continue notre chemin, donc tout droit. Oh, attends, qu'est-ce qu'on peut. Comment monter le compte? Ah, je sais pas. Oh, c'est loin. Mais. Oh, pas eux. Bah, je sais pas qu'il n'est pas tout droit. Ah, bah bravo, super. Bon, bah, on va trouver un autre chemin. Aïe! On me fait parler. Oh, t'es où? Ouais. Ah, là c'est facile, là il y a encore une pose la pierre au milieu. Ah, tu poses la pierre là où ça manque. Ah, c'est bon. Bon, il faut trouver un moyen de passer de l'autre côté. Bon, on va passer là. Voilà. Allez, hop, on y va. Ah, et du coup, on va. J'ai mal. On arrive. Oh, dommage. T'as toujours pas assez de. D'endurance, hein. Il faut que j'en ai un peu plus.
vers le sanctuaire. Ça. Allez, je sais. On va se jeter un peu plus loin. Hop, 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 on va se jeter un peu plus loin. Genre d'ici. Ah, il va plus tard. Bonjour. C'était juste. Limite avec le pouvoir de canalisation, je peux y aller, vers le haut. C'est vrai, ouais, ça sera glissant. Voilà. C'est pour ça que c'est chiant avec la pluie. C'est toujours au même endroit, quoi. Allez, hop. On apprend. Et on monte. Quoique, peut-être, attends, si je fais mon pouvoir d'organiser. Ah bah c'est bon. Non, je sais pas. Et t'es bugué. Oh. Oh, d'accord. À gauche. Bah. Plutôt qu'il change comme ça, quoi. On va voir s'il y a une grotte là. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il n'y a pas de boss. Nouveau. Grotte de la plaine nord. Ah, c'est machin. Machin dégueulasse. Ah, relais. Super. Ah, relais. Un peu d'herbe virule. Ah, lui il a une quête là. Et il ou elle là. Nouveau relais de la, de l'as. Ah bah tiens, il y a un sanctuaire à côté. Un point de téléportation. On les fait tous, hein. Enfin tous ceux qui sont sur le chemin, comme ça il y a tranquille. Hop. Question de flottaison, d'accord. Bon. Question de flottaison. Et. Plein à ça. Ah ça je pense que ça va faire des trucs. Ça c'est un exemple. Une torche. Alors comment on peut faire? Elle a des taquets là, c'est pas par hasard. Ça. J'ai. On se met dedans, non? Là, il y a des planches là, tout ça, c'est pas fait pour rien.
Pas se mettre dedans. Hein. Pas se mettre dedans. Oui, mais comment je me fais pour mettre dedans, moi? J'aurais quelque chose pour mettre dedans. Ah bah non! Ouais non, en fait j'ai oublié de mettre comme ça. En fait c'est là, après c'est là pour ça. Ici. Voilà. Ouais. Ça là. On va coller au centre. Ça. On va coller. Coller les jets. Et ça me compte. J'avais cru d'en flotter dans l'eau, moi. Allez. Il faut plus réfléchir. Ah, ok. Et ça, on va le mettre. On va le mettre là. Ensuite, ça. C'est pas le contraire. Ça, on va le bouger. Ici, on va le mettre là. Ça, on va le mettre ici. Je sais pas en fait si ça va s'envoler tout de suite. Ça va être envolé. Ça, on va le mettre là. Pardon. Et ça, on va le mettre là. Voilà. Oh là. Aïe aïe aïe. D'accord. Ok. C'est quoi ce bordel? Alors, on va descendre. Allez, des chalumeaux là. On va descendre. Je ne sais pas comment. On va porter en dessous. Quoi ce bordel? Oh là 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 là. Ok, là il y a quelque chose à mettre. À mon avis, ça doit être simple. Mais là, c'est. On dirait que c'est pas simple. Allez. On va descendre encore plus. Ok, donc la machine, elle est là. On va la coller. Tu peux dépasser le feu. Ah ok, d'accord. Ça va être bénef. On va se mettre là. Là. On va mettre là.
Ah, ok, c'est pour le récupérer après. On va le décaler, histoire qu'il s'envole d'en haut. Et ça ensuite. Voilà, avec ça. Juste et ensuite il faut remonter. Il y a une échelle, super. Waouh, elle est énorme, l'échelle. Allez, monte. J'ai cru qu'ils n'avaient pas prévu le coup. Et là, on récupère nos backstage. Ça va se brûler. Et le faire écraser. Pierre précieuse. On peut toujours servir par la suite. Ça. Allez, les potes. Et là-dessus. Ouais. Et on met là-dedans. Hop. Et c'est fini. C'est chaud. Ouais, on passe. Encore un sanctuaire et on pourra soit... Après, il faut privilégier surtout l'endurance, parce que l'endurance, vous avez besoin tout le temps. Voilà. Du coup, il faut... Voilà. Avoir de l'endurance. Et... C'est pas ces grandes formes là, par terre. C'est quoi tout ça, ces formes là, par terre? À mon avis, c'est pour quelque chose. Mais ça se déplace pas. C'est une pas. Oh. Ah. Et pas avec ajouté un petit personnage. Super. Ouais, si tu veux. Ok, donc la tour elle est toute droite là. C'est vrai que c'est quoi ces dessins? C'est bizarre. D'ailleurs on la voit là, avec ces 4 faisceaux lumineux, on dirait qu'il y a 4 projecteurs. Oh, ça fait... On dirait que ça fait bien dans la nuit. Hein. C'est jamais. C'est une idée. Non, laisse tomber en fait. Ça c'est lui ça.
Ok, ils sont trois. Ils sont trois ou je sais pas combien. Allez, on y va. On continue. Continue à marcher. De toute façon, on est obligé de le faire, hein. Si on arrive à la tour. Ah, ça c'est pour monter tout en haut. Je vais pas le faire, hein, on verra tout ça. Elle est tombée. Est-ce qu'elle est tombée? Il y a regard, beaucoup de mines. Normalement, celui-là il est pas très puissant. Peut-être on verra mieux là-haut. Ah oui, ça c'est un petit lapin. Vous donnez, il nous donne de l'argent. Ouais, tu vois. Donne de l'argent. Ouais, il court assez vite. Wow! Pas un arbre fort. Bah, une grotte. Non, c'est pas par là qu'il fallait. Pour l'instant, les mobs, on va les laisser tomber. Hein, on n'est pas encore stuff. Donc on verra plus tard. C'est-à-dire, on arrive à une détour. On arrive à une détour. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est celle de Breath of the Wild. Mal en plus. Là. Comment ça? Comme ça? Pomme de pain. Là, hop. Là. L'ambre là. Ça va nous servir pour après, plus tard, bien plus tard dans le jeu. Tiens, on peut utiliser ça pour monter. Allez. Ce débarras contient des matériaux de reconstruction. Serrez-vous si on en avait besoin. Et vous construire la maison de vos rêves, demandez à quelqu'un et ceci. Ok. Alors, on a ça. Et il faut monter en haut. Alors, pour ça, on avait fait tout ça. Des balances. Ça, c'est en bas, normalement, il n'y avait pas tout de l'intérieur. Là, là c'est bien. Ensuite on va prendre une autre planche. Ils sont énormes. Si on veut.
crois qu'à 100, je ne sais pas. Hein. Là, ensuite ça. Voilà, c'est bon là. Ça va même pas jusqu'en haut. Ça va un peu plus haut, je crois. Pas d'endroit où vous posez. Il y a un escalier là. Hop, hop. Là, il doit porter au moins 8 tonnes. Alors ouais, on doit aller. Je pense pas qu'on puisse monter uniquement comme ça. On va quand même essayer. Ah, quoi que. Ah bah si, en fait. En fait, on se cassait les pieds depuis tout à l'heure. Moi, je voulais essayer. Mais... Et hop. Tour du monde, la boule là. Vous allez voir, ça va être drôle. Je vous invite à regarder l'épisode 6, vous allez comprendre pourquoi. Là, on va cartographier, vous allez voir. On va voir, il faisait la tête. Hein. Mission. Ok. Est-ce qu'on voit le village de Piaf? Ouais, on le voit. Donc c'est... Ouais, bah c'est ici. C'est là, normalement. Attends. Non, il est là. Non, pas du village Piaf. Normalement, je suis censé le reconnaître. Tour du Mont Labuna. Je suis. C'est quoi ça? On va y aller. Mont Roam. Ah oui, c'est là où il y a le. Normalement, c'est là où il y a le cheval. Je sais pas s'ils l'ont remis. Le mal alpha. À mon avis, c'est là. Hein. Ah,
Non, on a mis, ouais. Là, ça, je crois que ça prend la fave, hein. Colline de Tabanta. C'est vers la faille, à mon avis. Là, y a un pont, normalement, par là. Pour permettre de traverser ici. Parce que là, pour traverser l'énorme brèche, là, ça va être. Ah, mais non, là, y a un pont. Donc, direction sud-ouest. Ah bah tiens, on voit le pont là. Est-ce qu'on voit de l'SPF par là? Oui, on le voit. Il est là, pile en face de moi. Ouais, donc c'est bien. Donc c'était bien là. Essayer de le faire d'une traite, mais normalement ça va pas être bon. Non, ça va pas être bon. Oh, tant pis, je crois qu'il faut y aller. Il faudra y aller à pied. On va bien les techniques. On va faire suer, mais bon, on va être obligé. Vous voyez? Pas droit à l'erreur. Et là, c'était juste. T'as vu? Pas droit à l'erreur. Hein. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, mais si vous n'êtes pas habitué et que vous commencez le jeu, c'est pas terrible. Parce que vous pouvez directement mourir et reprendre pas avant la tour. Donc, ouais. Pas comme ça toi. Oh, ça sert. Alors, on va voir ce que c'est ça, parce que c'est bizarre. Nous allons faire spawn un boss. Je crois que c'est une connerie dans le genre. De toute façon, on sait où est le village Piaf. Ok. Des espaces. Oh merde. Abîme des collines d'Irulo. Bah non. Là il y a un sanctuaire. On va aller le faire. On va aller le faire. Quelle heure? 16h. Okay. J'ai un rendez-vous à 18h donc c'est pour ça. Ah, d'ici une petite heure, donc on va aller jusqu'à 1h20, comme dans l'épisode 5. Pas mal ça. Ouais, non, encore 40 minutes, donc ça suffit. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, allez, je crois que ça va faire. Hop. Allez, hop. L'engin qui transporte. Ok. L'engin qui fait ça. D'accord. Là, il y a... Oh, là, il y a des big échecs de partout. Ouais, d'accord. Ok. Oh, il y a du vide. D'accord. Ok. Là, il n'y a pas de vide. Mais là, dans les autres cas, il y a du vide. Alors, donc, le but, c'est d'aller d'abord au loin. Donc, à mon avis, il faut aller de l'autre côté. Pas ça. Ok, c'est uniquement de la déco. Bon, on sait jamais, hein, à mon avis. Engin qui transporte. Donc, vous aurez bien su, il faut transporter les bides. Le seul problème, c'est qu'on a un truc. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut déjà choper des trucs ici? Pas du tout. Est-ce que. Pas du tout. Là où il y a de la boucle.
Là par contre on peut transporter, mais là il y a du vide. Là il y a du beau vide en dessous. Ok, avec la paravoile. Ouais. Là je me suis cassé la tête pour rien. Là j'ai cherché compliqué pour rien en fait. Et celle-là, on va la prendre et on va la mettre là. Dans le rail, on va jouer à la vie. Comme ici en Nicolas. Bim. Et là, par voile, on continue. Aïe, c'est pas grave. Ouais. Le rail n'est pas passé. Ah, regardez, hop. On va donner une autre. Ça tombe pas, hein. On va aller faire ça. On va venir ici. Ils vont de l'autre côté. Ça fait réfléchir. Faut penser. Voilà. Ça fait réfléchir. Et on va le mettre là. Il veut. Il roule, c'est bon. Ouais. Non mais... Oh là, il y a du rail ici là. On peut les prendre? Non, on peut pas les prendre. Ah, c'est pour le coffre. Ok. Alors... Pas de crochet. Ben, pas de crochet. Que des couilles. On va prendre les couilles. Ce machin de l'autre côté. Parce qu'avec ces coins, on peut faire quelque chose. On va essayer de faire une gorge comme ça. C'est le problème. C'est que, bah voilà. Hein. En fait, il faut créer un rail artificiel. Mais en fait, les plaques là sont les corps, ça n'a rien donné. On fait ça. Ah, je peux pas les tous sanitariser. Je peux pas. J'essaye, hein. De toute façon, on peut bien essayer. Donc, tiens. Ça, hop. Allez. Ah, il faut l'amener de l'autre côté. Je sais pas trop. De faire ça. Hop.
Et là, les points, ils servent à... non, ça c'était débile. Débile de ma part. Ah, avec le côté là, regarde à gauche. Le but que j'étais à faire. Peut-être le côté de la ville, c'est pour ça. Il manquait les petits bouts là. On va essayer de pas faire le sanctuaire quand même. Ce qu'on fait là les amis, bon, on le fait. Ah, il est trop gros ça. Bah attends, au pire. Voilà. Ouais, voilà, comment s'en. Faut pas s'embêter la vie. Allez, descend. Voilà. Ah, mindfuck. Non, je pense que c'est prévu pour. Hop. Hop, on va passer. Appuyer pour ça. Allez, on sort et on va. Il faut quand même se diriger vers les piafs quand même. C'est quand même le but. Voilà. Donc, on y va. C'est quoi ce machin? Là, je sais pas. Ah, il y a un dessin là-bas. Allez. On était parti pour aller au pont, je crois. Grand pont d'Ardine. À mon avis, non, c'est pas ça. C'est mieux souvenir sans pont. Je sais pas ce qu'il y a. C'est ça. Ah, ça c'est assez sûr. On s'en fiche. Non, c'est juste qui va bien. On dirait Wacho, petit affaire.
Ah, il est là-bas le pont. On voit. Ah, ça engage un gros demi-tour. Ça énerve. Voilà. En fait, ça fait engager un énorme demi-tour. Enfin, cette faille. A mon avis, il y a toujours. Je crois qu'il y a l'autre là, le dragon là, qui vient là-dedans. Bon, après, je sais pas s'ils ont remis les dragons, mais bon. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des trucs là-haut là. Un campement. Voyons, coupons. Là-bas, je sais qu'il y a un relais. En fait, c'est exactement la même map que Breath of the Wild. Hein, c'est tout. Avec des petits changements. Allez, viens là. Allez, donne-moi ton matos. Toi aussi. La 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 la. Voilà, là il y a un relais et normalement côté il y a un sanctuaire. Normalement. Parce qu'il y a autre sanctuaire. Aria. Il n'y a pas de sanctuaire. Ah oui, par contre t'as des. Voilà. Toi t'as des morts. Hein. Ah non, c'est là. Les armes s'en fichent. Elles sont pas énormes. Enfin, elles sont comment dire, elles sont pas fortes. Voilà. Toujours un relais à découvrir. Ah, des pommes. Viens tomber l'arbre. Pomme d'or. En milieu des pommes normales, il arrive que pousse ce fruit rare au sentiment mystérieux. À croquer, t'as un instant. Ok, bon, ça. Voilà. Du pont de. Ah non, c'est pont de Tamantin. Il y a le grand pont d'Ordine. Ah non, le grand pont d'Ordine, c'est celui que fait tomber Daruk. Un chien. Il y a des chiens. Ouh, c'est clair. J'ai une traînée bleue là. Eh, il y a des choses bizarres dans ce. Chèvre. Belle chèvre. En fait, je suis chèvre en plus. Je veux rejoindre mon ami. On verra ça après rien. Hein. Pour l'instant, on fait. Ce qu'on a à faire, le pont, enfin l'entrée du pont. Qui est de l'autre côté, le chien. En fait, normalement, il me suit, le chien. On verra, de toute façon, on a le temps de découvrir tout. Ça peut faire 100 épisodes au moins.
pas y a un sanctuaire. Quand j'ai ping parce que sinon je vais l'oublier. Attends. Le village, merde. J'espère qu'on arrive bientôt. Après le pont, ouais, on suit. Après, bon, on peut couper. On peut couper par à droite. C'est une connerie. Tu es chaud mais pas de téméraire non plus. On va couper par là. Ah bah il y a l'autre tour. L'épée ou pas? Ah pas tout de suite. La Littorox. Lâcher prise. Je suis là. Ok, donc ça attaque. Il y a plein de nouveaux mobs ici. Le chemin le plus facile, hein, j'avoue. Ah, une princesse de la sérénité, ça me fait. Dommage. Pour toutes les fleurs. Ça, c'est bien, ça, c'est Paris qui va. L'âme, voilà. Toc. Ensuite, voilà, on prend tout. Hein. Fait voir, voilà, on prend tout. Et aussi. Ah, donc on va aussi continuer. C'est un beau coin là. Zo, les créatures divines, il y en a pas. Faut savoir aussi que Zelda Tears of Kingdom, il a été victime de son succès. Ouais, parce que, pour vous dire, c'est un jeu que tous les fans de Zelda attendent depuis 6 ans, vous imaginez. Et donc là, quand il est sorti, bah, tout le monde, évidemment, se met à crier. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai qu'il est bien le jeu, hein. Franchement, rien à dire. Il est super beau. Ah, salut. Ça, c'est un Moblitz. C'est une blague, mais il est où le village Piaf là? On y arrive quand? Oh putain, j'ai fait demi-tour. Regardez.
nos efforts maintenant. Voilà, ça c'est fait. C'est un arc beaucoup de bits. C'est pas énorme, hein. C'est pas de l'énorme truc. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ces gros machins, hein? Savoir que là il y a un endroit à visiter. On va faire ça. On va mettre un. Et la musique. Bon. Laisser faire sa musique. On en est où là? Oh putain, c'est encore long. Ouais, c'est long, hein. C'est long, long, long. Oh, bah, au moins, durant cet épisode, on aura découvert une pas. Au moins. On aura. Putain, regardez. Avec un coup de rétrospective, normalement, on pourrait les refaire monter. Putain, regardez. Rétrospective. Elle a remonté. Ça suffire. Ils l'ont foutu dans le froid, c'est comment? Ouais, bah il est en face, le village plaf. Hein. Hein, il est là, il est en face. Ils l'ont foutu dans le froid. Parce qu'avant, pour vous dire, sur Zelda Breath of the Wild, il était normal, hein. Le froid il est pas descendu jusqu'à là. Hein. Il a rentré par l'eau. Chaque fois, on va prendre l'endurance. Hein. Là, ok, on foutu dans le froid. Parfait. Mais en tout cas, c'est bon à savoir. En tout cas, c'est bon à savoir. Comme ça, on n'aura pas de surprise en arrivant près du village Piaf. Bientôt. Préparer un petit avec une marmite en plus on en a non une marmite de voyage hop on va prendre en
quand il fera. Ça, quand on arrivera proche dans le métro. C'est quoi ça? Oh bah merci d'être passé juste devant l'objectif. Ah, regardez, il est là, le village piaf. Est-ce que là on peut y accéder? Non, y a un gros truc là. Voici le chemin, hein. C'est oublié. Parce qu'à force de passer de partout. Venez-en. En plus, en suivant le chemin, on va tomber sur l'entrée du village. Enfin, normalement. Yo, Revali, il est là? Adresse la parole comme ça, sans prévenir. Ah! Oh! Installer des débarras comme celui-ci au quatre coins du royaume. Lâche pour voir. Lâche pour voir. Ouais. Il y en a un petit pont. Donc t'es mort là, hein. Tiens pas. Ah c'est un truc de gobelin. Aïe. J'ai pas vu ça. Hashtag Minecraft l'autre là, avec ses... avec ses... j'ai pas envie de dire. Avec bon, je l'ai voulu sauter. C'est pas grave. Bien. Divine. On va prendre, donc on va prendre notre plat. Il y a un sanctuaire. Je crois qu'on arrive, hein. Ça va y voler. Thank you.
c'est la même musique que dans Breath of the Wild. Exactement la même. Alors, qu'est-ce que ça va être là? Question de propulsion. Ok. Mon avis, on va projeter une boule. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas ça. Non, c'est pas le bon. Je vais mettre là. Alors non, pas comme ça. Oh, tu l'as vu? Non, pas comme ça. Et la boue. Tu vois, le missile. Missile. Oui, on va mettre entre les deux. Elle tapait, non? Il fallait aller dedans. Attends, il fallait aller chercher un autre truc là. Oui, il y a des wagons en plus là. Ah, c'est peut-être si tu rates. À mon avis, ouais. À mon avis, ça doit être ça. Hop, on va prendre l'autre. On va la ramener. Hop. Qu'est-ce qui passe là? On a vu, ouais. Boum. Et là, mon avis, c'est ça. Hein. Ouais, il faut prendre le wagon. Je vais mettre là-dedans. On passe. J'aime bien ça. Ça veut dire qu'il y aura énormément plus de modules que ça. Oh là là, il y aura des flammes, il y aura plein de trucs. Vraiment, là, ils ont fait de façon un peu exagérée, quoi. Ok, donc on arrive. On est bientôt là. Enfin, on est bientôt arrivé au village Piaf. Continuer. Attends. C'est par là. Là, il y a un relais. Ah oui, et c'est après là que tu montes, là, normalement. Enfin, s'il y a des ponts. Oui, il y a des ponts. Non, il n'y a pas de ponts.
C'est juste, hein. Oh! Ça laisse casser. Piaf, piaf. C'est presque le même thème musical, je sais pas si vous entendez. Mais bon, on y est. Non, là, une statue. Putain, elle a une ouais, statue. Donc de l'endurance. Pour faire un point. Et qu'attaque ça. On va le faire comme ça, on aura un point de téléportation. Et puis après, on va arrêter là l'épisode, les amis. Je suis désolé parce que j'ai quelque chose à faire. Voilà. Dès bientôt l'heure. On va vite fait explorer. Enfin, on va faire le sanctuaire. Porté par le vent. Oh bah comme dans l'autre jeu quoi, pareil. Le laser. Oh ok. Il est juste. D'accord, je vois le délire. Passe, on va explorer un petit peu ensemble le village plaf et après on s'est parlé les amis. Allez hop, allez purée, allez, sans ce chaoud.
y rentre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Ah, mais t'as même le prix dessus. Ah, si là, ça va pas tout vendre. Ruby là, si. Je sais pas. Par contre, c'est, il faut de l'argent pour ça. Là. Ah, tu vois, 500. 650, ouais, tu vois. Pour RIP. Pas grand chose, hein. Non, le village PF, il sert un peu plus à rien. C'est ça qui est dommage. Il y a des maisons et tout ça qui sont partis. Non, c'était pas ça. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seul, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Thank you.
Et ben voilà les amis. Notre cher Teba, putain, lui aussi. Bon, il a pas changé lui par contre. Teba, il a pas du tout changé. Voilà, il est toujours aussi charismatique. Voilà. Et ben lui par contre, son fils, il a bien grandi. Hein. C'est incroyable. Voilà. Vous vous en souvenez dans Zelda Breath of the Wild, il était tout petit. Et ben maintenant, vous avez vu comment il est devenu un véritable piaf. Donc Impa, c'est elle, hein, l'ancienne chef des Sheikha. Maintenant, c'est Prouar, maintenant, la chef des Sheikha. Infara, c'est toujours aussi petit. Et Prouar, voilà, c'est la chef du fort de game. Et c'est aussi voilà, une chercheuse renommée. Et normalement, je pense que c'est elle qui... la chef des Sheikha. Princesse d'Hyrule, et Raoru, voilà, que le bras droit a remplacé celui de Link, lui appartenait autrefois et porte le même nom que le premier roi d'Hyrule. Voilà. Selon ses dires, c'est Zelda elle-même qui lui a parlé de Link, mais il s'est évanoui dans les airs avant d'avoir pu lui expliquer davantage. Eh ben les amis, ce fut quand même une bonne surprise. Hein. Donc la prochaine fois, il faudra aller tout simplement élibider ce nuage terrible. Voilà. Du coup, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et donc, je vous tiens au courant si jamais vous avez besoin. S'il y a besoin de... Ouais, il est beau, ce Tark. S'il y a besoin de choses. Enfin, s'il n'y a pas d'épisode et tout ça, je vous tiendrai au courant. Allez, salut à tous les amis.